Bonsoir. Si on fait un petit sondage et qu'on demande à un groupe de personnes de désigner les deux sens les plus importants, c'est l'ouïe et la vue qui sortent généralement en tête. Que faire pour préserver ses oreilles et entendre correctement en vieillissant? C'est ce que nous verrons avec le second reportage. Pour commencer, scrutons cette étrange et spectaculaire épidémie planétaire qu'est la myopie. Dans certaines régions d'Asie, le taux de myopie chez les étudiants avoisine 90%. Comment est-ce possible? Peut-on intervenir pour que ce phénomène régresse? Et que faire quand malheureusement la myopie est là? Un reportage de Lison Méric et Jean-Marc Chevillard. Un monde envahi de pixels et d'écrans haute définition. Mais un monde dans lequel on compte de plus en plus de myopes. Surtout dans les pays asiatiques où cette augmentation prend des proportions épidémiques chez les jeunes de villes comme Singapour, Hong Kong, Shanghai ou Tokyo. On peut dire un peu que l'Europe est, pas en retard, mais a moins structuré ses études et ses investigations que l'Asie. François Majot, hôpital ophtalmique Jules Gonin. Par exemple, un pays comme Taïwan a actuellement un niveau de myopie qui a énormément progressé, qui est devenu stable à peu près à 80% de la population. Et donc, actuellement, ils essaient de comprendre. Il y a un enjeu de santé publique, finalement. Une épidémie qui oblige à repenser les causes de la myopie. Jusqu'à une cinquantaine d'années, on pensait que la myopie était essentiellement génétique. On avait des parents myopes et on devenait myope. Et puis finalement, avec le temps, on a pu mettre en évidence, soit par des expérimentations, soit par l'observation de groupes de personnes, qu'il y avait des facteurs d'environnement, des facteurs de la façon dont on vit finalement. Carlo Rivolta, généticien. Il y a certainement des composantes génétiques, ça on ne peut pas l'exclure. Mais en ayant un cas spécifique, donc voilà, je suis myope, est-ce que c'est la transmission de mes parents ou c'est parce que je trouve passer du temps devant les livres? Ça, c'est très difficile à l'heure actuelle de dire. Au moins que la myopie soit très importante et puis il y a une histoire dans la famille de myopes sévères. On parle l'idée que la myopie, c'est en fait un mélange de différentes maladies qui ont la même manifestation, en fait, l'œil qui est plus long et puis les lunettes qu'il faut mettre. Mais elle peut en fait être faite de différentes sous-maladies qui ont des origines différentes, qui sont liées à des causes différentes. L'augmentation de la myopie en Asie est trop rapide pour être expliquée par la seule génétique. On cherche alors des causes dans l'environnement et le mode de vie. Christian de Courtonne, chirurgien ophtalmologue. On sait qu'il y a des pertes de croissance dans l'œil, il y a des seuils de croissance entre 7 et 10 ans, puis ensuite il y a de nouveau vers l'adolescence. Puis ensuite ça tient compte aussi de ce que va faire le jeune homme ou la jeune fille plus tard. Un universitaire sera probablement plus myope que quelqu'un qui va faire l'apprentissage de bûcheron. On a ici la couleur de l'œil, on a ce petit hublot qui est la cornée, qui est en avant de la couleur de l'œil, de l'iris. On a le cristallin qui est ici, qui est cette lentille qui s'opacifie quand on a la cataracte. Ici, on a en orange la rétine et le nerf optique, le câble finalement qui va conduire l'information au cerveau. Donc la lumière qui vient de l'extérieur rentre, traverse la cornée, traverse le cristallin et va se projeter ici. L'image se forme sur la rétine. C'est vrai pour l'œil normal, qui voit aussi bien de près que de loin. Un œil hypermétrope est trop petit. L'image se forme en arrière de la rétine. Il voit mieux de loin que de près. A l'inverse, un œil myope est trop long. L'image se forme en avant de la rétine. C'est l'environnement proche qui est net. Un œil normal mesure de la partie interne de la cornée jusqu'à ici 2,3 cm.
Chez un myope, on peut aller jusqu'à 3 cm, 3,5 cm. Alors ça paraît rien parce que c'est juste cette distance qui a grandi. Alors vous allez me dire, bon, finalement, c'est pas très important, un centimètre de plus. Mais en fait, le volume de l'œil change énormément. Passe de 5-6 cm3 jusqu'à 9-10 cm3. Et tous les tissus, qui sont les mêmes en quantité, sont étendus, étirés. Quand on est jeune, ça tient bien. Puis quand on avance en âge, les tissus sont plus fragiles. Alors ils se déchirent, ils sont moins vascularisés. Et puis le cristallin vieillit plus vite, la rétine vieillit plus vite. Un œil myope est donc plus fragile parce qu'il a trop grandi. Reste à comprendre pourquoi. Selon des études récentes, la lumière jouerait un rôle. C'est l'exposition solaire qui aurait un rôle au niveau de la rétine. Ça, c'est des expériences sur des animaux. Et on montre en fait que cette exposition-là stimule la sécrétion de dopamine au niveau de la rétine et ralentirait la croissance de l'œil. Aujourd'hui, les enfants jouent de moins en moins dehors, surtout en milieu urbain. C'est tellement vrai qu'à Singapour, par exemple, le ministère de la Santé conseille aux enfants un minimum d'une heure par jour à l'extérieur. Farhad Hafezi, médecin-chef d'ophtalmologie. Une autre hypothèse dit que le processus de l'accommodation, c'est ce qu'on fait lorsqu'on essaie de focaliser du loin au près. C'est un effort pour l'œil. Et vu que nous nous retrouvons aujourd'hui dans nos temps modernes, souvent à une distance qui n'est pas l'infini comme nos ancêtres, mais l'écran à 70 cm ou encore le tablette à 20 cm, cela fait que nous, et surtout les enfants déjà qui en jouent, sont dans un état d'accommodation constant. Et accommodation veut dire effort. Peut-être que la nature s'adapte et rend l'œil myope pour éviter ce stress d'accommodation constante. Trop de travail de près et trop peu de lumière naturelle pourraient donc expliquer la progression de la myopie, comme si nous faisions tous un travail d'horloger. On sait que la myopie progresse généralement tout au long de la croissance, même si les causes en sont encore mystérieuses. L'idéal, pour éviter les myopies trop sévères, serait d'intervenir tôt pour freiner cette progression. À l'âge de 11 ans, Sophie avait déjà une myopie moyenne qui évoluait rapidement, au rythme d'une demi-dioptrie tous les 6 mois. Alors après deux visites chez l'ophtalmologue et la myopie de Sophie qui augmentait, on a cherché une alternative. Non, on a beaucoup fait comme ça. On leur propose alors un procédé encore expérimental et peu connu en Suisse pour freiner la myopie de leur fille. On était très dubitatif au départ de se dire, bon, est-ce qu'on se lance dans quelque chose qui n'a pas été prouvé? Donc on s'est dit, au pire, c'est un risque financier parce qu'on aura dépensé de l'argent et il n'y aura pas de progrès, ou en tout cas pas de stabilisation de la myopie, mais tant pis. Mais au moins, sa vue, ses yeux, il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est sous contrôle. Moi, je pratique cette technologie depuis 8 ans. Martin Michler, maître opticien. Donc c'est vrai qu'au début, on était un petit peu prudent parce qu'on ne savait pas très bien ce qui nous attendait. Est-ce que ça fonctionnait réellement? Est-ce que c'était que de l'imaginaire? Mais on voit très bien aujourd'hui que c'est vraiment une bonne méthode, si ce n'est pas pour arrêter la myopisation, mais au moins de la freiner sérieusement. Z, 2, 7, 3, 6, excellent, 9. On va aller plus loin encore. Les opticiens s'en sont aperçus par hasard. Chez les jeunes porteurs de lentilles, la myopie semble évoluer moins vite que chez les porteurs de lunettes. On a donc eu l'idée d'élaborer des lentilles spéciales. On appelle ce procédé Myopa Control. C'est une lentille qui est de construction dégressive vers le bord. On crée une image parfaitement nette au centre, parce que c'est absolument nécessaire, bien sûr, pour la vision de tous les jours, pour toutes les exigences. Mais comme la vue périphérique est moins importante, on essaie de corriger ça d'une autre manière, parce qu'il faut savoir que les lunettes ou les lentilles traditionnelles ont plutôt la tendance à donc surcorriger en périphérie. Quand on lit, donc on va accommoder pour mettre précisément la lumière sur la rétine. Et cette accommodation, elle est toujours un peu en recherche de netteté. Et elle fait que parfois, il y a plus de lumière en arrière de la rétine. Et finalement, l'œil pourrait avoir tendance à chercher cette lumière et donc à grandir. Avec ces lentilles particulières, on ramène la lumière périphérique en avant de la rétine pour limiter l'effort d'accommodation. Donc ces lentilles de contact seraient une voie actuellement déjà explorée en Asie,
et aux États-Unis, différentes études en cours. Très difficile de comparer un groupe d'enfants qui auraient une myopie évolutive la même avec un groupe avec lentilles et l'autre sans lentilles, et de démontrer qu'il y a une efficacité. Mais on le constate, les opticiens qui sont plus au contact de ce type de patients le constatent aussi. Ouais, t'avais les yeux fermés. Sophie porte ses lentilles quotidiennement depuis presque 6 ans. Au début, c'était difficile. Je mettais surtout beaucoup de temps et j'avais de la peine à gérer parce que ouais, il fallait quand même me lever plus tôt le matin pour pouvoir les mettre. Et maintenant, avec l'habitude, tout va très bien. C'était contraignant? Tu trouvais que c'était compliqué? Non, le seul souci, c'était pour aller à la piscine. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de souci. C'est-à-dire qu'avec l'augmentation de la myopie qu'elle a vécue entre 8 et 10 ans avant qu'elle porte des lentilles, on pouvait imaginer qu'avec la croissance, à l'âge qu'elle a maintenant, c'est-à-dire 16 ans et demi, elle pouvait avoir moins 6 ou moins 8 de dioptrie. Donc on était assez inquiets. En même temps, on s'est dit que si on pouvait stabiliser ça, ce serait idéal. Donc à 2,5, elle a commencé à porter des lentilles. Et puis aujourd'hui, elle a quasiment 0,5 de plus, donc moins 3. C'est un bilan très positif. Alors, Lauriane, tu peux te laver les mains. Faire porter des lentilles à des préadolescents est une démarche qui va à l'encontre des pratiques habituelles. On conseille plutôt de retarder le port des lentilles autant que possible pour des raisons d'hygiène. C'est tout souple, tout mou. Pour la mettre sur l'œil, tu t'approches du miroir. Porter des lentilles de contact, il y a un risque infectieux. Hein. Donc, proposer avec des enfants, c'est un enjeu de ce côté-là. Il faut que l'enfant ait soit propre et une conscience d'une hygiène minimum. Vous pouvez vous approcher. Tu peux cligner 2-3 fois. On a constaté l'aide de ce type de lentilles pour la myopie. Donc, c'est une voie qu'on explore. J'avoue que jusqu'à récemment, je n'avais pas d'indication de lentilles de contact chez l'enfant. Au plafond. Donc voilà, on a cette voie-là, effectivement, il va falloir qu'on gère des risques potentiels. BCHE. Même si on n'a pas encore scientifiquement prouvé l'efficacité du Myopa Control, on verra probablement de plus en plus de jeunes porteurs de lentilles. 6-9. C'est excellent, c'est quasiment 120% d'acuité visuelle. Pour tenter de freiner la myopie, la recherche scientifique explore différentes voies. Par exemple, des gouttes d'atropine ou d'autres médicaments instillés directement dans les yeux. Mais les effets secondaires, comme l'hypersensibilité à la lumière ou la vision troublée, semblent trop importants par rapport aux bénéfices. Un gel oculaire a ralenti la progression de la maladie chez des enfants avec une myopie modérée. Ils ont dû l'appliquer tous les jours pendant 2 ans, ce qui est très contraignant pour un bénéfice si modeste. Quand une myopie est stabilisée, la solution la plus fréquemment proposée, après les lentilles de contact, c'est la chirurgie réfractive au laser. La technique existe depuis 20 ans et a progressé. C'est l'opération la plus pratiquée au monde, particulièrement en Amérique latine et en Asie, où le port de lunettes n'est pas très tendance. La suite du reportage avec le concours de George Baumgartner. La salle d'attente du centre Shinagawa à Tokyo. Il pratique le plus grand nombre d'actes de chirurgie réfractive par laser au monde. 1500 par mois, 320 000 par an en incluant ceux pratiqués dans 4 autres de ses cliniques à travers le Japon. Celle de Tokyo est ouverte 7 jours sur 7. Elle ne ferme jamais, pas même un nouvel an. La demande est forte. Plus d'un tiers des Japonais sont myopes. Les myopies en Asie seraient 2 fois plus élevées qu'en Europe. Le centre Shinagawa accorde le plus grand soin à l'examen de la vision et de la cornée des patients avant de les soumettre à une chirurgie au laser. Depuis un sérieux accident survenu en 2009 dans une autre clinique de chirurgie LASIK de Tokyo, peu hygiénique, les Japonais sont devenus réticents à la chirurgie réfractive. Ce patient est accompagné vers l'une des salles d'opération. De chaque côté du couloir, l'on en compte une dizaine. La clinique emploie 30 chirurgiens ophtalmologues. Chaque opération coûte plus de 3000 francs en moyenne. Celle-ci est effectuée par le docteur Minoru Tomita, le pionnier de la chirurgie réfractive au Japon. La majorité de ses patients a entre 20 et 30 ans. Il explique le succès de ses interventions, moins par ses gestes thérapeutiques que par les progrès constants de la technologie laser. Au tout début, la chirurgie LASIK était prise en charge uniquement par des assurances privées.
Ils ne sont pratiqués que 1 000 à 2 000 par an. Mais depuis l'ouverture de notre centre en 2004, en l'espace de quelques années, nous avons effectué plus d'un million d'opérations et les assurances privées ont cessé de les rembourser. Le docteur Hideki Matsuda estime que ses patients ne choisissent pas une intervention laser par élégance pour ne plus avoir à utiliser de lunettes, mais pour rester compétitif dans une société qui utilise de plus en plus d'écrans. Les myopies augmentent graduellement. L'utilisation d'écrans, smartphones, tablettes est un facteur aggravant. Mais comme la société japonaise préfère traiter les conséquences de la myopie plutôt que la cause, l'intervention au laser offre une chirurgie sûre de la vision. L'une de ses patientes, Satomi Tadokoro, en est persuadée. Avant cette intervention, lorsque j'allais dans un onsen, une source d'eau chaude, je devais retirer mes verres de contact. Et il m'arrivait de tomber en manquant une marche d'escalier. Maintenant, j'ai retrouvé toute ma vision et j'ai beaucoup plus de plaisir à aller me baigner. Le docteur Minoru Tomita est la bête noire des fabricants de lunettes, de verres de contact et des oculistes traditionnels liés à ces industries et qui se sentent menacés par la chirurgie réfractive au laser. Au Japon, les opticiens, les fabricants de lunettes font beaucoup de publicité. Ils redoutent cette technologie qui ne peut que progresser, car les Japonais en pourcentage sont encore moitié moins nombreux que les Américains à y recourir. Mieux voir de ses propres yeux. Les patients de la clinique laissent leurs lunettes dans cette boîte après leur opération. Elles sont envoyées vers des pays en développement. En Suisse également, la chirurgie réfractive est de plus en plus pratiquée, même si c'est à une échelle beaucoup plus modeste. Pour Aline, photographe de profession, la vue est primordiale. Elle a mûrement réfléchi sa décision. J'ai porté des lunettes pendant 30 ans, presque plus même. Ce qui me dérangeait le plus, je crois, avec les lunettes, c'était cette espèce de cadre qu'on a en permanence. Et cette espèce de distance qui nous permet de voir, et puis d'oublier bon, les détails pratiques, d'oublier ses lunettes, de chercher tout le temps. Un petit peu plus au fond, tu mets la lumière. Un peu plus proche. Effectivement, ça commençait à devenir vraiment, vraiment pénible. J'étais tout le temps en train de lever mes lunettes pour regarder les réglages sur l'appareil, remettre mes lunettes pour regarder au loin mon modèle ou le paysage, et ça devenait insupportable. La question, ça serait plutôt de se dire, au fond, pourquoi je ne l'ai pas fait avant. Voilà, alors on va vous préparer pour cette chirurgie. Le plus grand centre privé roman compte une seule unité et effectue 3000 opérations par an. C'est le chirurgien lui-même qui accueille et examine sa patiente avant l'intervention. Vous gardez les yeux fermés. Je mets une petite charlotte, comme ça. Bien. Ça fait des années que ma myopie s'empire, donc j'ai dû attendre qu'elle se stabilise. Finalement, ça fait 2 ans qu'elle est plus ou moins stabilisée. Et puis, je supporte de moins en moins les verres de contact. Donc, c'est le moment où j'ai envie de le faire. Je dois le faire. La technologie qui s'est imposée s'appelle femtolasic. Elle est considérée comme la plus sûre et la plus efficace des chirurgies réfractives. Rapide, peu douloureuse, elle a beaucoup d'avantages. Tout droit. Parfait. Ça s'est très bien passé, madame. Quand on aplatit un des dioptres de l'œil, qui est la vitre devant l'œil, qui s'appelle la cornée, on va diminuer son pouvoir de convergence et puis on va mettre l'image nette. C'est bien connu des myopes, quand ils serrent leurs paupières, ils voient mieux parce qu'en fait, ils aplatissent la cornée. On joue sur quelle épaisseur à ce moment-là? Alors c'est de l'ordre du micron, vous voyez. Le principe très général, 10 microns, c'est une dioptrie. Donc vous voyez, 10 microns, c'est un globule rouge et demi. C'est très fin. Un premier laser découpe un capot dans la cornée. On soulève chirurgicalement le capot. Puis un second laser la rabote en fonction de la correction souhaitée. On remet ensuite le capot en place. Il cicatrisera en quelques jours. Parfait. On a réappliqué ce petit capot sur l'œil. En tout, l'opération dure une dizaine de minutes pour les deux yeux. La récupération est très rapide.
Voilà, vous allez pouvoir vous lever. J'ai un souvenir extraordinaire. Il y avait des espèces de lumières rouges et vertes et jaunes, comme ça, comme un feu d'artifice. Et le chirurgien a un geste à la fin où il prend un pinceau et il vous replace en fait le capot à ce moment-là. Et c'était, ce geste, c'était tellement symbolique, c'était comme s'il me repeignait les yeux, comme s'il me redonnait la vision. Aline n'a plus l'usage de ses lunettes depuis son opération de chirurgie réfractive. L'intervention visait à corriger aussi bien sa myopie qu'une presbytie naissante. Lorsque je vise dans un appareil, c'est mon œil gauche, elle voit à 100%. Et mon œil droit, ils l'ont corrigé un tout petit peu, mais pas beaucoup. Et ce qui me permet de voir de près. Le sentiment le matin après l'opération, lorsque vous vous réveillez et que vous regarderez ne serait-ce que vos pieds, que vous voyez net soudain et que vous ouvrez la fenêtre et que vous voyez tout d'un coup, sans petit cadre, c'est un sentiment extraordinaire, c'est magique. Tout le monde ne peut pas bénéficier d'une chirurgie réfractive. On doit évaluer les paramètres anatomiques de l'œil, savoir si c'est possible ou pas. Donc la chirurgie réfractive peut être réalisée soit au niveau de la cornée, soit au niveau du cristallin, où on peut aussi rajouter une lentille à l'intérieur de l'œil. Donc en fonction des paramètres qu'on trouve, on va pouvoir ou non proposer différentes techniques. Pour les cas les plus courants, on corrige encore les myopies moyennes avec le LASIK simple, une technologie pour laquelle on bénéficie de 20 ans de recul. C'est aujourd'hui une chirurgie qui est au point, mais toute chirurgie porte ses risques. Et il faut bien veiller à ce que les avantages soient plus forts que les risques. Si je suis face à une jeune personne dont le seul but est de ne plus porter de lunettes, avec une myopie de 3 dioptries et qui voit très bien avec lunettes, le profil de sécurité doit être extrêmement haut parce qu'on n'est pas forcé à prendre ce risque. Claudia a fait corriger sa myopie grâce au LASIK en Colombie, à l'âge de 18 ans. Elle pensait en avoir définitivement fini avec les lunettes, jusqu'à sa première grossesse. Soudain, sa vue se péjore. Le troisième rang arrive de la droite. C'est là que je me suis rendu compte que c'était pire. Et qu'en fait, d'une semaine à l'autre, je voyais moins et moins et moins. Un jour, je pouvais lire quelque chose que la semaine d'après, je ne pouvais pas lire. Après la naissance, 4 mois après, on m'a dit non, c'est pas normal, on va faire des examens plus approfondis. Et là, on a trouvé que j'avais un keratoconus, qui c'est une maladie de la cornée qui n'est pas très rare, mais... Chez moi, il n'avait pas des antécédents génétiques, il n'y avait rien qui pouvait montrer qu'il existait cette possibilité-là. Le kératocone est une maladie héréditaire bien connue. Au début de la chirurgie réfractive, on a vu des cas de kératocone atypique. Suite à un LASIK, la cornée, devenue trop mince, se déforme. Notre équipe de recherche travaille beaucoup sur la biomécanique et on a énormément appris ces dernières années. Les œstrogènes peuvent déstabiliser une cornée, même multiples années après une chirurgie réfractive. On a publié une série de cas de jeunes femmes qui ont eu une LASIK 3 ans, 5 ans, même 9 ans en arrière, avec aucune complication, avec un examen préopératoire normal, mais un peu limite. Elles ont été opérées et tout s'est bien passé jusqu'au moment où elles sont devenues enceintes. Et l'œstrogène rend la cornée très molle et fait décompenser une légère instabilité mécanique. Les jeunes femmes sont plus à risque, surtout si elles me disent qu'elles veulent encore avoir des enfants. Je suis plus réticent et j'augmente la marge de sécurité. Je veux avoir plus de stabilité en post-opératoire. Mais ceci sont des résultats de recherche très récentes et commencent maintenant à être de plus en plus respectés dans le quotidien clinique. Pendant longtemps, il n'y avait pas de traitement pour le kératocone. Dans le pire des cas, la maladie peut engendrer une rupture de la cornée et exiger une greffe. Mais depuis 2002, un nouveau traitement, le cross-linking, permet de bloquer la maladie. Claudia a pu en bénéficier alors qu'il était en phase de test. C'est vraiment endurcir la cornée
Et là, quand elle est rigide, elle ne bouge plus. Donc, on arrête vraiment les changements de forme de la cornée et ça arrête la maladie. Ça ne va pas devenir comme avant, mais ça arrête de changer la forme. Et il n'y a pas de risque de déchirer. Le cross-linking emprunte une technologie bien connue pour les amalgames dentaires, la photopolymérisation. Pour renforcer la cornée, on l'inonde d'abord de vitamine B2, ce liquide jaune appelé également riboflavine. Ensuite, on l'expose à des rayons ultraviolets. Imaginez-vous la tour Eiffel avec toutes ces réticulations. Elle ne serait pas stable s'il y avait seulement les grands éléments. C'est la multitude de réticulations qui donne la stabilité. Avec le cross-linking, on augmente ce nombre de réticulations de manière massive au bout de quelques minutes. C'est une méthode qui a été inventée en Allemagne, à Dresden et à Zurich. Un kératocone vous donne une image tordue de l'environnement. Et ça peut vous faire une diplopie, ça veut dire deux images avec un seul œil, une triplopie et même quatre ou cinq images simultanées sur la même optique. C'est une distorsion majeure qui peut être peut-être comparée à un fisheye, à ces lentilles de caméra qui font un bombement, mais pas bien régulier. À chacune des deux grossesses de Claudia, le kératocône a empiré. Le traitement au cross-linking a stabilisé sa vue, sans pour autant lui rendre une vision normale. J'arriverai jamais à voir comme avant, parce que la forme de la cornée n'est pas correcte. Mm-hmm. Je ne peux pas porter des lunettes, je n'ai pas d'option en fait. C'est les lentilles ou rien. Donc j'ai des lunettes pour les soirs, mais je ne peux pas conduire avec. Je ne vois pas bien la profondeur, donc et descendre et monter les escaliers, ce n'est pas évident sans lentilles. C'est très limitant. Claudia a 36 ans, et tant qu'elle supporte ses lentilles taillées sur mesure, elle vit normalement. Déjà, je sais qu'il y aura un jour où je ne veux pas pouvoir porter mes lentilles, parce que ce n'est pas évident de mettre les lentilles, les enlever, les mettre, les enlever, l'entretien et tout ça. Et là, je n'aurai pas de choix, parce que les lunettes ne marchent pas pour ce que j'ai. Donc je sais que ça va arriver un jour où je ne veux rien, je ne veux pas voir. La vue, un sens que nous sollicitons toujours plus intensément dans notre quotidien. Ce qu'on a noté, c'est que les écrans sont demandeurs d'une très très grande qualité de vision. Il y a un certain nombre de personnes qui ont pu vivre le passage avant l'ordinateur jusqu'à l'ordinateur. Un certain nombre de personnes ne mettaient pas de lunettes et ont mis des lunettes pour utiliser un écran. Le niveau d'exigence de correction visuelle est très élevé maintenant. Ça n'a rien à voir avec nos ancêtres qui se contentaient d'une vision ambulatoire. Maintenant, on veut tout vite et bien, ce qui explique un peu l'essor de cette chirurgie réfractive. The next station is Shinjuku. Je pense qu'il y a un engrenage par cette stimulation visuelle continuelle qui fait qu'on s'adapte finalement. Mais on est dans cette hypervision. Je pense qu'on doit rester, entre guillemets, raisonnable là-dessus parce que ça nous apporte beaucoup de choses. Mais est-ce que ça améliore notre qualité de vie, notre bonheur de vivre? Je ne sais pas. Ça, c'est une chose que je regrette. C'est de temps en temps pouvoir enlever mes lunettes et être dans le flou.